Fantastique. Merci voilà. d'avoir posé la question. Tout le monde parle du meurtre de l'empereur. Hein. Donc il est 11h du matin, il est bien dormi. Je vais pouvoir sortir d'ici. Donc, j'ai plus dormir chez la guilde parce que, heureusement, c'est gratuit. On va voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre. Alors, on avait vu que c'était assez compliqué quand même hein, de dépouiller. Les mages. Mais bon, apparemment, Armand Christophe, il a peut-être du travail pour moi maintenant que j'ai recelé assez. Donc, on va peut-être retourner à l'Est Impérial. Maintenant que j'ai mon cheval, je pourrais pas. Allez, donc ça va faire hein. L'église. Bon, j'ai appris un petit sort, mais je sais pas s'il va me servir. Hein. Une petite pièce pour un infirme. Allez, sort de ce trou. On avait ce qu'on voulait, on avait acheté nos crochets. Quelles sont les nouvelles ? Pour pouvoir retourner à la cité impériale. Il est temps d'en prendre notre cheval. Allez. Alors, allons voir les quêtes. Alors, c'est quoi ça? Ah, c'est pour vous dire que. Mais bon, c'est là-bas qu'on va aller, hein. Petit marqueur, ça on se perdra pas. À prendre le cheval, ça va aller 10 000 fois plus vite. Allez, go! On a le petit loup qui était mort par là, c'était le bandit qui l'avait tué. On va quand même faire gaffe parce que cet endroit est assez dangereux. Je crois que je peux ramasser maintenant quand même. Parce que, à mon avis, ça. C'est vraiment cher. Donc c'est encore mieux si. N'importe quoi. Faut quand même vendre la peau. Ramasser ça au passage. Allez, go. Quittez Bruma. Je sais pas encore combien de temps, mais on va la quitter. Allez. Hop. Et on va retourner à la cité impériale. Pente, ça va beaucoup mieux dans ce sens-là. Hein. Par contre, je pense qu'il y aura encore des bandits, donc on va quand même faire attention. Vous voyez qu'on voit la cité impériale d'ici. C'est assez cool. Alors, faut quand même faire attention parce que je crois qu'il y a des poissons carnassiers dans l'eau. Pas forcément envie de mal finir. Alors, je prends le chemin là, du coup. Je vais passer par là et si possible sans mourir. Je sais que les chevaux ça va partout. Il ah, y a un village par là. Je sais pas si je peux y aller. Tiens, prends un petit tour par le village. Je vais ramasser ça au passage. Il y a un peu le chimiste sur les bords au passage. Hein. C'est un peu découvert une passion. Ah, avant cette merde, tu vois. Ouais. Hop. J'espère qu'il n'y aura pas de méchants là. Bon, j'aime bien les villages pacifiques quand même. Osterbourg, ça n'a pas l'air lenté tout ça. On va aller au premier. Oui. Coup. Ceux qui ont toujours vécu en accord avec les préceptes des neufs pourront se voir offrir une bénédiction de force aux pierres sanctuaires de Tiber Septime. Ok, c'est pas pour moi ici. Bonne journée. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y a une auberge par ici? Pas l'impression. Auberge. Poursuivez. Regardez ce que j'ai à vendre. Alors, on va essayer de la rouler un petit peu. Hop. On a quand même monté à 2726 pièces d'or. C'est pas mal. Ce qui fait que je devrais bientôt pouvoir acheter une petite maison. Mais à nous, c'est un palace qu'on voulait. Hein.
sais pas trop si je vais acheter un staff à elle. L'avantage de staff à elle, c'est que ça me permettra de stocker les affaires. Bonjour. Ça, c'est quand même pas négligeable. C'est une autre situation. Le problème, par contre, c'est qu'en revenant à la cité impériale, je m'éloigne de mon reseller. Pour vendre les trucs volés, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein. Peut-être faire un pari sportif à l'occasion. Enfin, sportif, on parle de l'arène, hein, bien sûr. Je pense que ce sera quand même bien plus rentable. Allez. Faire attention parce qu'il y a un fort dangereux par là. Ah ouais, là, c'est là où il y avait, là où il y avait des gens invisibles, je crois. On va quand même beaucoup plus vite à cheval, hein. Mine de rien. Bien fait d'acheter ce cheval. Très rentable tout ça. Même pas en dessous des routes, pas besoin. Le cheval il va un peu partout. C'est un cheval tout terrain. Allez, go! On va quand même plus loin que je pensais, malgré tout. Ah, il y a un pont par là. On va emprunter ce pont. Bon, tous les coups, ça dort de pont, il y a des bandits par-dessus. Mais je pense qu'on va pouvoir le semer avec le cheval. M'étonnerait qu'il arrive à. Voilà. Ah non, c'est plus un bassard. Si j'ai pas de conneries, je crois qu'il y a un truc là. Récupérer la marchandise. J'ai pas forcément une vague contre cette saloperie, moi. Hop là. On arrive par là, hein, du coup. Toujours avoir une carte sur soi. Pouvoir couper. Ah, il y a un hôtel ici, je savais pas. On a rejoint la route en plus. Hôtel de quoi ici? Hôtel de Julianos. On va pas prier, hein. T'es pas encore assez croyant pour ça. Le beau petit Uriel Septim, il avait beau l'air gentil. C'est pas pour autant que je vais me convertir. On est là pour faire fortune. Je vais vous dire que j'ai raté la première fois. Pas me laisser faire une deuxième fois. Allez hop, on va rejoindre la capitale. On va pouvoir rentrer par ici. Super. Je suis tout. On a rejoint la cité impériale en relativement pas trop de temps par rapport à quand on a fait l'aller. C'est quand même assez cool, hein. Mon dingue, c'était rentable de prendre les chevaux. Toujours avoir un cheval sur soi. Toujours, toujours, toujours. Si j'ai pas de conneries, ça doit être par là. Et il va falloir y aller de nuit. Qu'y a-t-il, citoyen? On peut pas leur dire pourquoi. Est-ce qu'il y a? Ah, bah, il est là, mon cheval.
Merde, est-ce que c'était bien celui-là? C'était pas le mien. Faites pas trop monter dessus, ça va avoir des problèmes. Qu'y a-t-il? Quand on cherche... Okay. Que l'ombre vous cache. Okay. On va faire un petit tour au flotteur bouffi. Et on va patienter un petit peu, je pense. Tout le monde a besoin d'un exemplaire du courrier du cheval noir. La question de compte. Prenez un... Courrier du cheval noir. Alors, je peux enlever mon... Si je me souviens comment j'ai fait. Comment j'ai fait le marqueur. Hop. Un petit peu aussi au passage, hein, parce qu'on n'est pas comme on est pauvre, hein, mais... Allez, hop. On va passer un peu de temps là-bas. Ça n'a pas du vol. On va se servir ici alors. Que puis-je pour vous? Bonjour. Bienvenue à bord du flotteur bouffi. Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises? Un petit peu d'argent. Et on va faire tout ce qu'on peut. Vous êtes... Est-ce qu'on peut pas monter un petit peu encore? On est quand même pas mal maintenant en négociation. C'est une... Alors malheureusement, ce que j'achète, ça se... C'est... Ça se limite déjà du prix. Et le but, c'est de la vendre plus cher à terme. Vous avez fait... Ah, par contre, on n'a pas de lit dans la piste impériale. Enfin, je pense que j'ai dans une auberge pour cela. C'est un plaisir. Adieu. On va se mettre là, manger un petit bout. Bière aussi au passage, hein. Après, allez, une petite miche de pain, un petit bout de fromage et un petit peu de pomme de terre. Mais attends, on va voir ce qu'on peut enchanter avec tout ça. Je pense que je fais pas grand chose en fait. De ce qu'on peut prendre. Bonjour. Regardez ce que j'ai à vendre. Ouais, normalement, c'est des pigeons. On peut vendre que 3 à la fois. Par contre, celle-là, c'est-à-dire que je pourrais peut-être les vendre plus cher. Non, peut-être pas les vendre tout de suite. Mais. On a quand même fait du bénéfice là, du coup, ça veut dire. On commence à être rentable. Bon, je crois qu'on peut passer en. Merci. Pas vraiment. Ce que je propose, c'est qu'on l'attende jusqu'à la nuit ici. On va passer un peu de temps à se bourrer la gueule. Et ensuite, on va rejoindre avant Christophe. Alors, moi, j'aimerais que ça m'inquiète quand même. Merde. Pas eu le temps passé, j'ai des cuvées. J'espère qu'il sera encore là, mon Christophe, parce qu'après, si j'ai trop attendu, je pourrais pas trop voler, là. 4h du matin, là, c'est un peu tard. Bah, je vais voir ça.
J'espère qu'il sera encore là-bas. Et là, c'est plus sûr maintenant. Et merde, trop attendu. Chier. Plus qu'à voler maintenant. C'est un peu dangereux du coup, on peut pas faire ça maintenant. Qu'est-ce qui m'a pris de rater l'heure? Je me suis un peu rouillé. Le crochet, c'est afin de le faire. Peut-être pour un balai de linge, quoi. Et là, je commence à me demander si j'ai bien fait retourner à cet impérial, moi. C'est pas trop une réussite ici. Était devenu de plus en plus important. Je n'ai rien à vous dire, Charles. Je n'ai rien à vous dire. Ok. À bientôt. Je vous souhaite. Même ici, y a rien à prendre. Fais chier. Bon, va une petite gnoffe sans bouffier, hein, du coup. Hein. Tant qu'à faire. On a raté notre départ, donc autant dormir là-bas. Hein. Pas vraiment pour cette journée pour rester avec tout le monde. Bonjour. Prends un lit. Nous avons bien une chambre. C'est un choix, Judy. La chambre. Allez, on va dormir un petit peu. Adieu. Allez, c'est un fou. Faut bien que je vole un petit peu quand même. Y'a rien à voler dans ce truc pourri là, ils sont en faillite. En plus, on a le droit de voler. Ouais, je la sens pas hyper bien cette histoire. Bon, j'ai un petit truc ici. Ah, c'est un peu la dèche ici. Mais bon, il y aura un lit au moins. Une petite expérience. On va se lever à 10h. Hein. Évidemment, une bonne nuit réparateur, ça fait toujours du bien. Donc, à mon réveil, je me suis rendu compte que je me trouvais à bord du flotteur Buffy et que nous étions en mer. Il faut que je trouve le capitaine pour aller voir ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'on fout en mer? Moi je voulais juste faire une petite sieste. Bon sang. Moi je sais pas me battre alors. Enfin bon, je suis lancé un petit sort. Je suis pas convaincu que c'est ça qui va faire la différence. Hé, hey, qui diable êtes-vous? Vous n'avez pas l'air de faire partie des pillards d'eau noire? Quoi? On m'a dit qu'il n'y avait que deux autres personnes à bord. J'ai enfermé le videur dans la réserve, et elle s'occupe du propriétaire. Et il y a vous. Alors, je vous le demande une fois encore. Qui êtes-vous? Il n'y a personne d'autre dans notre groupe. Nous ne sommes que quatre. Les pillards d'eau noire n'engagent pas n'importe qui. Quand on a créé notre bande il y a 3 mois, il était clairement défini qu'on ne partageait pas nos gains. En plus de 4 parts. Merde. Alors arrêtez de me mentir et dites-moi ce que vous faites ici. Je peux vous le dire du coup. Peut-être que mon épée saura vous faire parler. Merde. Peut-être que cette porte a pour le retenir. Pourquoi j'ai que cette dague? Yeah. Mon dieu. Je suis agressé. Mon dieu, mon dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Heureusement,
Je suis sous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je peux charmer votre l'empereur, charme, selon fatigue. Étant donné que je suis sous le signe de l'amant, j'ai quelques petits pouvoirs. Et comme je me suis inscrit dans la guide des mages il n'y a pas longtemps, je vais peut-être pouvoir tenter de voir ce que ça vaut. Montrez-moi ce que vous avez. J'ai pas encore dit mon dernier mot. Bon. Ça me compromis là. Il va falloir commencer à passer à l'étape au-dessus. Faites-le. Et merde. J'ai plus de fatigue. Faut que je me relève au plus vite, sinon je suis foutu. Est-ce que j'ai quelques petites potions peut-être? Non, je vais rien avoir. Mais j'ai une potion de guérison quand même que je pourrais utiliser. On va utiliser. Et là, il s'en est fallu peu pour tuer ma première victime. Je me sens pas très bien. Donc c'est la première fois que je tue un homme. J'ai tué un voleur du nom de Lynch. Apparemment, il faisait partie d'un groupe appelé les Pillards Noirs. Ce sont probablement eux qui ont attaqué le fauteur Goofy et lui ont fait prendre la mer. Apparemment, Lynch a enfermé le leader du flotteur Goofy dans la réserve. Si je fouille son corps, je vois peut-être une clé permettant de le libérer. Regarde, ça fout de la merde tout ça. J'ai jamais combattu ma vie, moi. Bon, je peux peut-être m'exploiter quand même malgré tout. Je serais partant pour m'emparer de cette armure. On sait qu'il s'appelle Lynch grâce à ce prospectus qu'on va lire maintenant. Et là, pauvre petit marchand, j'avais rien demandé. Je suis qu'un marchand honnête. Lynch, les instructions sont les suivantes. Rends-toi sur le pont inférieur du bateau et verrouille bien toutes les cabines. Mais bien ne pas déranger Minx, il faut la laisser seule accomplir la tâche qui lui a été confiée. S'aborde le bateau et retrouve-moi à Braville en 3 jours. N'oublie pas de lire ce message après l'avoir appris par cœur. Psst. Est-ce qu'il parle? Bon, je suis un peu blessé malgré tout. J'ai pas le temps de me reposer. Il est temps que j'apprenne, qu'utilise mes connaissances de la guide des mages. Bon, j'ai passé un peu de temps à apprendre à comment cicatriser des blessures. Je devrais pouvoir me soigner vite fait. Le problème, c'est qu'avec cette petite dague, je vais pas faire grand chose. Et l'épée, je sais pas tellement m'en servir. Je me suis jamais battu de ma vie, heureusement qu'il était pas très doué. Il faut quand même se revêtir de son armure parce que, mine de rien, ça ne fera pas la différence. Derrière moi ça, j'ai un tueur. Pas du tout dans mon style de faire ça. Alors, est-ce que je peux avoir une potion quand même? Apparemment non. Je pourrais plus compter sur mes sorts. Quelqu'un ici. Yes. Merci de m'avoir libéré. Je m'appelle Graman Gros-Marade, videur et timonier à bord du flotteur Bouffy. Je suis enfermé dans ces réserves depuis des heures. J'ignore ce qui se passe au juste, mais il n'y a pas longtemps, une bande de brigands, les pillards d'eau noire, se sont emparés du bateau. Ils m'ont pris, moi et Ormil, le propriétaire du flotteur, en otage, et pris la mer avec le bateau. Je ne sais rien de leur motivation. Si vous parvenez à me conduire sain et sauf jusqu'au pont supérieur, je pourrai ramener le flotteur à bon port. Mais je ne bougerai pas tant que la côte ne sera pas dégagée. Moi non plus, tant bien. J'ai l'habitude de traiter avec les voyous, pas avec une bande de voleurs bien armés. Ah, super. Le flotteur Bouffy a 3 ponts différents. En bas, il y a l'auberge, puis vient la taverne, et enfin le pont supérieur. Mais eh bien, en quoi je me suis embarqué encore? Bon, vraiment, quelques petites provisions.
Ah, dommage que j'ai vendu toutes les potions, hein. Mais chier, qu'est-ce que je fous là, moi? Je voulais juste passer une petite nuit peinard. Qu'est-ce que je fous là, voyons. Avant que l'épaule ait appris à faire de l'armurerie, hein. Je reste ici, en sécurité. Merde, que je fasse ça. En sécurité. Moi aussi, je vais être en sécurité. Qu'est-ce que je fous là? Je sais pas ce qu'il y a plus discret. Pour aider quelqu'un en dos. J'ai jamais fait ça, moi. Hé, hey, là-bas, où pensez-vous aller? Célène ne va pas apprécier du tout. Je ne devais pas être dérangé. La seule façon de quitter ce bateau, c'est quand on jette votre cadavre par-dessus bord. Bon, ça n'a pas trop marché. On va tenter l'approche numéro 2. Faites le pire dont vous êtes capable. Ça n'a pas trop marché. Tiens. Ah, tiens, prends ça. Vous ne mourrez jamais. C'est tout ce que vous savez faire. J'ai tué un deuxième voleur, un elfe noir du nom de Mix. On dirait que ces voleurs utilisent étrange nom de code. Ce que j'ai réussi à apprendre, c'est que leur chef s'appelle Selene. C'est nous laisse tout à l'heure, du coup. Il faut que je fouille ses affaires pour voir si j'y trouve quelque chose d'utile. Et que je me dirige vers le gouvernail sur le point inférieur. Pas du tout ce dont j'ai l'habitude de faire, hein, personnellement. Que faites-vous ici? Ils ont trouvé le galion doré ou quoi? Oui. Des ordres? Célène ne m'a pas parlé de ça. Et je ne me rappelle pas qu'elle ait pris quelqu'un d'autre pour nous aider à rechercher le galion doré. Quand tout ceci est-il arrivé? Il y a 3 jours. Cette femme m'énerve. Elle a promis de partager en 4 lorsque nous retrouverons le galion doré. Il n'a jamais été question de 5 parts. Elle a dit que lorsque nous reviendrons à la maison à Braville, nous diviserions le butin après qu'elle ait refourgué ce truc. Lynch et Minx sont-ils au courant? Eh bien, comme ils sont hors jeu, si je vous tue, ça veut dire que Célène et moi diviserons la recette en 2. Ce vol prend une bonne tournure, on dirait. Oh, mais ils sont tués, qu'est-ce que j'ai pu faire encore? Je vais pas me battre. Mon Dieu, aidez-moi. Merde.
trêve. On peut encore discuter. S'il te plaît, arrête ça tout de suite. Faut pas me battre. À l'autre voleur. Cette fois, il s'agissait d'un ordique du nom de Colère. Il montait la garde près du Gwanaï, près du bateau. Il a dit que le groupe s'était emparé du flotteur bouffé pour récupérer le galion d'or. Il faut que je retourne auprès de Graman pour lui dire qu'il peut aller jusqu'au Gwanaï en toute sécurité. Bon, ça prend de la thune, les épées. Ça vaut cher, ça. T'as pas de l'or, hein. Bon, mais de rien, je suis quand même bien blessé avec toutes ces conneries. Je suis pas un guerrier, mais regardez-moi votre tronche, là. Je suis gère d'un guerrier. Et... quelle époque. Qu'est-ce que je vais devenir? On dirait qu'il n'y a personne. Je vais rejoindre la barre du bateau. Mais je ne bougerai pas ce vieux rafio tant Cormille ne sera pas en sécurité. Après, est-ce que vous croyez pas qu'on serait plus en sécurité avec la garde? Très honnêtement. Qui est Hélène? J'ai cru reconnaître la voix d'une impériale lorsque j'avais les yeux bandés. À part ça, je ne sais rien de plus sur elle. Tout ce que je sais... c'est qu'ils sont apparemment au nombre de 4. Ils m'ont noué un bandeau sur les yeux avant de m'amener ici. Alors je n'ai pas vu grand-chose. C'est pratique, ça. Ouais, va sur ta barre. Faites attention. Leur chef paraît dangereux. Je viens de voir, moi. Pas plus que j'ai quand même tué... 2-3 mecs. Enfin, dans une meuf, mais elle compte pas, c'est une effet d'art. Ah mon dieu. Mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde. Faut encore boire. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Comment êtes-vous entré ici? Il a tué la colère. La colère? Je lui ai demandé de surveiller la roue et de ne parler à personne. Qui êtes-vous? Je suis ici pour rejoindre votre bande. Nous avons fait un pacte solennel de ne laisser personne d'autre rallier la bande. Je m'en souviens. Il y a 3 mois. Quoi? Personne ne sait tenir un secret dans ce groupe. J'imagine que vous savez aussi pourquoi nous nous sommes emparés du flotteur bouffi. Retrouver le galion d'or. Comment êtes-vous au courant? C'est sans importance. Une fois que je me serai occupé de vous, nous saborderons le bateau et irons nous mettre en sécurité. Personne ne nous trouvera ici. À Brasil, c'est ça? Encore une fois, vous m'avez surprise par la connaissance que vous avez de notre opération. Je doute que Lynch ait vérifié toutes les chambres de l'auberge avant notre départ. Vous avez dû vous cacher en bas et réussir à monter jusqu'ici? Comment avez-vous fait pour passer près de Minx, Colère et Lynch? Ils ont tous tués, j'ai plus personne. C'est impossible! Vous les avez vaincus tous les 3 à vous seuls? Je suis humiliée par vos talents, et je crains de ne pouvoir me mesurer à vous. Veuillez accepter ma capitulation. Voici ma lame. Je vous en prie. Ma vie vaut plus que tous les trésors. Le flotteur bouffi est à vous. Ça a été plutôt simple. Je préfère tout de même pas tuer. Bref.
faire rhabiller avec ma tenue d'habituelle. Bon, je vais garder jusqu'où j'arrive. Dieu merci, vous êtes arrivé à temps. Je craignais d'être donné en pâture aux poissons carnassiers. Maintenant qu'elle a capitulé, escortez-la dans la dernière chambre du pont-auberge. Nous allons l'enfermer là jusqu'à notre arrivée au port. Alors, petite dame. Je n'ai rien. C'est bien mérité quand même. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vais obliger à faire? Je n'ai jamais tué personne avant. Voilà. Par quelques petits rats et quelques petits gobelins. C'est pas croyable. C'est pas fameux. Et tout seul, allez hop, on ferme. Mon dieu. Bon, je vais me rhabiller avec ma tenue habituelle. T'accoutrement ne me sait guère. Bah. Je vais peut-être pas boire autant. Je suis plus habillé. J'aime beaucoup cette tenue. Voici ma tenue actuelle. Et je viens de ne plus tuer personne. Avec la magie. Et les enfumeries, ça. Ouais, moi, c'est que le début. Maintenant que Selene est en sécurité sur le pont inférieur, nous pouvons tous respirer plus facilement. Je ne vous remercierai jamais assez. Je ne peux pas dire. Je me sens beaucoup mieux maintenant qu'elle est enfermée. J'espère bien. J'ai bien peur que tout ceci soit ma faute. Tout à fait. C'est à cause de moi que le flotteur Bouffy a été capturé. Les affaires ne marchaient pas très fort depuis quelque temps. Alors j'ai inventé une histoire. J'ai répandu une rumeur parlant d'un galion d'or que l'ancien propriétaire aurait caché ici même. C'était, soi-disant, une statuette en or massif. Sur le moment, ça m'a paru être une bonne idée. J'ai pensé que cette histoire attirerait les curieux et les chercheurs de trésors. Et qu'y avait-il de mal si, venant ici, les gens en profitaient pour boire un verre ou deux? Les affaires vont beaucoup mieux depuis que j'ai commencé à répandre cette histoire. Mais je me suis manifestement trompé. C'était une très mauvaise idée. Merci beaucoup. Heureusement qu'aucun innocent n'a été blessé. Je n'aurais pas voulu avoir de sang sur les mains. Pardon, je radote. Vous feriez mieux de descendre vous reposer jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la cité impériale. Je ne suis pas innocent, je n'ai pas été blessé. Allez vous reposer. Fichesse, bien sûr. On ficherait de pas être bien s'embêter dans cette histoire. Les enfoirés. Ouais. Tous les mêmes. Tous les mêmes. Oh, c'est marrant, c'est même bourré, je sais faire ça. Ouais. Je vais avoir. Vous allez voir. Qu'est-ce qui a pris de retourner à Cérodie avec des mafieux ici? Bon, après, c'est un peu pour l'argent qu'on a mis à la base. Ben. Je suis un honnête homme. Faut que je dorme à côté de cette tolarde. Allez. Bonne nuit. Est-ce que on loupera pas le coche? Ah.
Et je vais arriver maintenant. Parce qu'on dort mal, bientôt. Jamais ces conneries, ça se reproduira, mon petit. Hein. Okay. Alors qu'elle est encore en cette petite prison, en tout cas, non. Vous êtes réveillé. Bien. Je ne voulais pas vous déranger. Je suppose que vous vous demandez ce que j'ai fait avec Célène. Les autorités de la cité impériale l'ont débarqué du bateau dès notre arrivée à quai. J'étais aussi informé qu'ils offraient une récompense pour sa capture. Tenez, ne dépensez pas tout au même endroit, à moins que ce ne soit ici, bien sûr. C'est tout ? Au revoir. Alors, je tue 3 mecs, je risque ma vie, tout ce que je récupère, c'est 50 pièces d'or. Et ben, prison. Plus grand chose à faire dans ce pays. Le monde est corrompu. Plus rien à faire. Plus rien à faire.